Bonsoir. 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 Un match plein, sans doute votre meilleur match sous le maillot des Bleus. Je sais pas si je dirais mon meilleur match, mais je suis content, je commence à enchaîner les matchs, à avoir plus de temps de jeu. Là, je retrouve le poste de piston gauche, que ça faisait un petit moment que je l'avais pas, que j'avais pas joué à ce poste-là. J'étais repassé au milieu. Mais j'essaye de m'adapter. Première mi-temps un peu compliqué, mais en deuxième mi-temps je me suis réveillé, c'était un peu mieux et je pense qu'on a fini sur une bonne note avec ce but, donc c'est très bien. En plus la victoire collective, donc c'est parfait. C'est votre premier but sous le maillot du Sporting. Forcément, c'est le bonus pour vous dans ce match de pouvoir partager ça avec le public de Furiani. Exactement, je l'attendais depuis un moment. J'avais eu quelques occasions déjà de mettre ce premier but avec le Sporting. Je les avais ratés. Là, de le mettre à domicile, ça fait plaisir. Partager avec les coéquipiers, les supporters et pour ma famille aussi, ça fait plaisir. Eh ben, racontez-nous un peu comment vous l'avez vécu ce but, s'il vous plaît. Ben, en gros, je vois rentrer. Vu qu'on joue assez haut, je vois rentrer Cardi intérieur, le piston droit. Et je sais que quand il va centrer ou qu'il rentre comme ça, il faut que je sois haut aussi. Donc au début, je suis écarté. Après, je vois qu'il avance un peu plus. Donc je fais l'appel. Dans le dos du défenseur, il me la met dans le bon timing. Après, j'arrive en face à face. J'essaye de ne pas me précipiter parce qu'on nous a dit que le gardien, il se jetait pas trop. J'essaie de le fixer au mieux et de la mettre au bon endroit. Et c'est rentré avec un peu de chance. Donc, parfait. Ouais, c'est pas un peu de chance parce que justement c'est pas facile, c'était un but où justement le gardien a poussé, vous n'êtes pas emballé. Ouais, on essaye de rester serein parce qu'on avait des problèmes d'efficacité. En plus, j'ai pas l'habitude de me retrouver dans des situations comme ça, mais c'est bien que ça finisse comme ça. C'est le but qui libère. Exactement. Merci. Ouais, comme je dis tout à l'heure, j'ai moins joué en première partie de saison. Là, je commençais à retrouver du temps de jeu, même avec la présence de Steph. J'avais trouvé ma place au milieu. Mais vu que là, Steph, il part, pour l'instant, je joue sur ce côté gauche et j'essaye de faire au mieux pour que le coach ait confiance en moi pour qu'il me fasse jouer les prochains matchs. Oui. Beaucoup. Kylian, une dernière question. Justement, vous parlez de confiance. On sent que cette équipe, depuis 4-6 semaines, déjà avant la trêve, vous avez retrouvé la confiance en vous. Ouais, on essaye, on doutait un peu au début de saison par rapport aux résultats qui n'étaient pas mérités par rapport à notre niveau de jeu, je pense. Mais là, on commence à avoir des résultats, à être solide, à être tout solidaire. Et avec les résultats qui suivent, donc ça se passe de mieux en mieux et je pense que ça se voit sur le terrain.